Pour ce stage, on avait aussi envie de faire découvrir plein d'aspects autour du trail à tous nos stagiaires. Donc évidemment l'entraînement, des conseils sur de la montée, sur de la descente, sur des sorties longues, mais aussi la nutrition, aussi du yoga et tous les éléments qui vont autour pour performer en trail et pour se faire le plus plaisir possible. Un niveau d'énergie constant sur une course est magnifique. Le corps y suit, tout est facile et le cerveau aussi y suit. 13 km avec 300 mètres de D+. En temps normal, je mets X temps. Là, au bout de 15 heures, comment je fais? C'est l'occasion aussi d'être accompagné par Mathieu Blanchard, Alix, par des professionnels en fait de ce sport qui derrière nous donnent des petits tips, plus des conseils. Perpendiculaire au sol. Toujours dans la bonne ambiance, vraiment. C'est ça qui est assez agréable, c'est qu'il n'y a pas de compétitivité. Tout le monde s'accompagne, on s'attend. On est vraiment là pour prendre du bon temps en nature. Tout en se dépassant aussi physiquement, donc ça respecte tout ce qui est incroyable dans le sport, le partage, le dépassement de soi. Et derrière, il y a un respect de la nature aussi. Très contente de partager ce stage et d'apprendre des conseils de Mathieu et Alix aussi bien sûr parce que très bonne cuisinière. Merci, heureusement qu'elle est là. Souvent il y a déjà avec marqué coup de boost. C'est juste marketing, hein. C'est juste parce que c'est hyper riche en sucre. Vous allez faire un méga up. C'est le pied de la montée. Purée de patates douces avec beurre de la gimeuse dedans, faire un saut, pas que ce soit trop grand. Je crois que de ce côté, la plupart, peut-être que tu vas monter. Derrière. Faites croire que vous avez des trailers, il y a la caméra. En marche. Non, c'est pas vrai, on marche là, sinon. Si vous aimez pas, vous triez dans l'assiette, là, comme ça.